Légende chinoise, avec Jean-Sébastien Goulet, à la narration et à l'analyse. Des histoires sur l'harmonie. Bonne écoute. Une légende sur la réparation. L'éléphant de la rivière Lijiang. L'empereur de Jade, Yu Huang Tadi, aimait bien parfois parcourir son royaume pour en admirer les beautés du paysage. Il profita du gré des saisons pour venir sur terre et parcourir les contrées à pied. Un jour, il décida de faire un voyage dans le sud de la Chine pour admirer les collines dentelées magnifiques des rives de la rivière Lijiang. Pour ce voyage, Yu Huang Tadi a décidé de se déplacer avec toute sa suite de courtisans et d'éléphants. Les bêtes marchaient à pas lents, mais lourds, et portaient sur leur dos toutes sortes de bagages, incluant des jarres pleines de bijoux et des joyaux pour les grandes occasions. Comme l'empereur ne s'arrêtait pour rien afin de tout visiter, les éléphants détruisaient tout sur leur passage. Ils piétinaient les récoltes, détruisirent des arbres, tuèrent du bétail et firent trembler des bêtes. C'est une légende sur la réparation. Mais pourquoi la réparation est-elle importante pour l'harmonie entre les gens? La réparation, c'est l'action de réparer une faute commise ou le préjudice moral qu'on a causé à quelqu'un. Et l'harmonie dans les relations humaines, c'est quand il y a une recherche de sagesse chez chaque individu afin de maintenir une cohésion positive. Et n'oubliez pas, la réparation doit demeurer proportionnelle à la faute. Parfois, une simple excuse devrait suffire et on peut passer à autre chose.